Voilà. Bon, c'est bien pour vous, hein. C'est bien pour vous, j'active la cam. Merci beaucoup pour les 5 subs. Skytid X8 et Wallfire 51 pour l'abonnement. Alors, on va partir pour un petit biome. Et c'est parti, hein. Maîtrise de biome, je vais le retenter en difficulté 4 et certainement échouer misérablement une fois de plus. Et voilà. Alors, tac. Tac. Et on s'y met. Attends, il prend un peu trop de place. Attendez, bah, je vous la mets ici, ok? Ici, normalement, elle gênera pas. Voilà, je glisse la cam ici. Voilà, j'espère que ça vous va. Allez, c'est parti pour la run! Allez, je place ça ici, j'ai bientôt fini la quête. Par contre, faut vraiment que je me méfie, hein. Le danger 4, ça rigole absolument pas. J'ai perdu parce que j'avais pas d'armes, pas assez d'armes overclock, je pense. Pourquoi j'ai ce message? Votre message n'a pas été publié en raison de conflits avec les paramètres de modération de la chaîne. Je sais pas, les modérateurs au fil des années, ils ont fait énormément de banwords. Mais dans le doute, je pense que c'est parce que ton message est suspect, donc dans le doute, je te mets 24 heures. Je rigole, je rigole, je rigole, j'étais unban, j'étais unban. C'était une boutade, pleure pas. J'étais unban, c'est la vérité. Alors, on arrive par là. Oh, regardez toutes ces ressources! Attends, mais c'est vrai que j'ai changé de run là, c'est plus comme avant. Par contre, nos trolls, les collègues, je suis vraiment trop pâle, il faut que je prenne le soleil un petit peu là. Je suis devenu tellement pâle au cours des derniers mois. Mais c'est parce que je vois plus le soleil, je suis un peu devenu une créature souterraine, aucune vanne. Je voyais beaucoup plus le soleil l'année dernière. Là, cette année, je vous jure, je suis une créature souterraine, ou presque. Soit je suis derrière mon PC, soit je suis dans la cave. C'est même pas une vanne. Soit je suis derrière mon PC, soit je suis dans la cave en train de faire de la muscu. Je suis devenu tout pâle là, presque comme Gollum. Carabine à plasma, hein. Alors, tac. Bordel, je prends beaucoup trop de claques, je suis pas focus. Il y a toujours une run qui est ratée bêtement après une longue run qui a échoué. C'est les nerfs qui lâchent. C'est les nerfs qui lâchent. Oh la chance! Même si 50 HP c'était excellent. Obtenir un bonus de chance aussitôt dans une run, ça fait trop la diff. Vitesse de déplacement, trop la diff aussi. Ok, maintenant faut que j'ai de la chance au niveau de la balise. Je vais prendre ça d'abord. TPZZZ, merci beaucoup pour les 15 mois d'abonnement. Oh zut, zut. Ok, c'est bon. L'intensité sert à quoi dans le jeu? L'intensité, ça sert à augmenter les propriétés. Oh bordel! Cadence de tir de tous les projectiles, c'est tellement OP, je l'ai eu en légendaire, bah voilà, c'est la chance. L'intensité, ça augmente la puissance des propriétés élémentaires. Ok, parfois le jeu, il a un petit peu du mal. Oh, les gars, les gars! Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit? C'est rigolo à jouer quand même. Je le prends, je le prends. N'en déplaise orageux, je le prends. Là, ça me fait déjà 52% d'augmentation de dégâts, c'est énorme! Cadence de tir là-dessus. Dégâts là-dessus. On va prendre le recul, c'est trop fort. Ce serait bien de finir la quête fast. Ok, c'est bon, j'ai fini la quête tout pile.
J'ai pas mal d'or, mais malheureusement pas beaucoup de Nitrex. Ce sera pour la prochaine, c'est pas grave. Si je peux récupérer un max d'XP avant de partir. Voilà. Comment on unblock le fût, la carabine de plasma, je sais plus. No troll, je vais prendre ça pour repousser les ennemis. Boum. Là, cette fois-ci, j'apprends de mes erreurs. Faut pas tout mettre sur une arme pour overclock plusieurs armes. Sinon, ça ne marchera pas. Nice du perçage. Mais ouais, en fait, je pense que beaucoup de gamers sont dans mon cas. Les gars, est-ce que vous allez relate à ça, les collègues? En fait, quand on est là, on est tout le temps en intérieur ou derrière nos écrans, et que les rares fois où on se voit, c'est dans le miroir de notre salle de bain, bah il y a la lumière jaune de la salle de bain. Et moi, je me fais tout le temps arnaquer. Parce que vu que je me vois via la lumière jaune de ma salle de bain, je me dis, ça va, c'est ok. Je suis pas si pâle que ça. Et après je me vois en vrai et je suis là, putain de merde, comment je suis pâle. Genre quand je me suis vu dans les vidéos Red Bull, j'étais là, what? Mais j'ai pas pris le soleil depuis 2 ans là, c'est quoi ça? Je vous jure, c'est terrible, je suis en train de devenir une créature souterraine. Faut vraiment que je revoie la lumière du jour plus régulièrement. En fait l'année dernière, j'investissais tellement de temps à aller marcher dans les bois. Et cette année, je le fais beaucoup moins. J'ai moins le temps. Du coup, je suis devenu un Falmer. Je suis littéralement en train de me transformer en Falmer. Je pense que encore quelques années comme ça, et je deviens aveugle. Et je fais des bruits bizarres aussi. Et je me terre dans des cavernes de glace. Je vous jure, hein. C'est qu'une question de temps. Si je prends pas le soleil, dans peu de temps, la transformation, elle sera complète, sera terrible. Allez, hop, hop. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est pas... Après, j'ai que du projectile, donc ça peut être bien. Du dégât critique, ça peut être bien aussi, mais la cadence de tir est mieux. Je pourrais pas acheter les deux. Va pour la cadence de tir. Voilà. Allez, c'est parti. Je pense qu'il y a qu'un seul moyen pour counter ça, les gars. Faut que je devienne un sudiste. Faut que je rejoigne la team du sud. Je pense que c'est le meilleur plan. Je rejoins la team du sud. Je deviens un sudiste. Je me fais des après-midi pétanque et tout là. Et c'est bon, je vais reprendre des couleurs. Ça va faire des après-midi pétanque avec Sleepix et Sixen là. Histoire de prendre des couleurs et tout ira mieux. Voilà. Voilà. Merde, 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 je prends tellement de dégâts. Ok, la balise est par là. Attends, je suis stuck. Non, mais les gars, c'est vraiment le pire biome. Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que c'est le pire biome? Bah, je crois que j'ai perdu. Non, mais c'est trop grave ce biome. Comment tu veux jouer? Je peux pas regarder en permanence si le décor va finir par me coincer ou non. Le jeu ne me permet pas ça. Allez, du perçage. Heureusement que j'avais les dégâts pour m'en sortir. Hein. Sans ça, c'était fini. Ça, c'est grâce à ça, nos trolls. J'avais un énorme boost de dégâts, ça m'a permis d'outrepasser ça.
Ouais, les murs de ronces, tu peux pas les piocher. Augmente votre armure de 1 par tranche de 2% de vie manquante. En vrai, ça, ça peut vraiment me carry si ça commence à être la merde. Si je commence à être dans une situation où je suis vraiment en danger, ça peut bien me sauver. Faut anticiper avec la minimap sur biome. Ouais, mais je ne peux pas regarder en haut à gauche tout en étant focus sur le milieu de mon écran pour gérer mon personnage. Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai que la minimap est pas tip top. Elle est pas assez grosse et tu peux pas la bouger. C'est... Faudrait pouvoir la placer autre part. On a tous nos habitudes. Moi par exemple, je suis un joueur de LOL. Si tu mets une minimap qui est pas à droite, idéalement en bas à droite, mais au moins à droite, c'est bon, je m'en sors pas. Ok, il me faut des petits champignons et c'est tout bon. Ça, en vrai, je suis fan, mais faut l'overclock. Faut l'overclock pour que ça mitraille partout autour de moi. Ok, ok, ok. Oh, il était temps! Je manquais de rayon de ramassage. Oh, ça régale. Et en plus, la capsule apprend que des gisements d'or. Ah là, je ne me plains pas, je ne me plains pas. Cette run, elle sent bon, je vous le dis, elle sent bon, cette run. Oh oui, elle sent bon. Là, j'ai une portée de ramassage qui est devenue folle en 2 upgrades. Ça sent très très bon pour la suite, ça. Ok, je suis rentré un petit peu trop tôt. Va pour de la cadence de tir là-dessus. La run est bénie, je suis d'accord. On prend du crit. J'ai pas assez pour prendre les deux, du coup, je fais passer ça en priorité quand même. Et cadence de tir là-dessus. Oh mon dieu! Oh! Merci! Tout est magnifique! Alors, je vais prendre les 12% de crit, la vitesse de minage et le rayon de ramassage. Ok, alors là, je suis très très bien là. J'ai déjà un bon montant de crit. C'est la run. Les collègues, je crois que c'est la run. En plus, je vais faire tellement mal que même si je me retrouve coincé, je pense que je vais tout vaporiser et bien se passer. Ok, il y a plein de ressources au même endroit. Là maintenant, faut vraiment chercher à overclock deux armes au level 18. Ok, d'entrée de jeu, je vais avoir énormément d'or. En plus, j'ai une super quête, c'est la quête des fleurs. Ok, j'ai pris des claques pour rien là, c'est un peu bête. Oh, c'est tout ce qui me manquait. C'est tout ce qui me manquait. Oust. Pas de ça ici. Ici c'est le gaming, merde. De temps en temps, je le fais moi-même, Aivin, c'est pour pas perdre la main. Alors, tac. Je vais récupérer ça. Là, normalement, je vais faire tellement mal que ça. Je vais vite les repousser, non? Voilà, on avance sur les overclocks. Ça explose bien comme il faut. Putain, il y a du monde, hein.
Je vais aller chercher une balise. Petite fleur à récupérer. Safe. Je joue safe. HP et régène HP. Je me comporte bien. Et j'avance sur l'overclock du snipe. C'est bien d'avoir l'overclock de la carabine maintenant. Voilà, bon bah sera l'overclock du snipe en premier je pense. Ce qui est très bien aussi. Ce sera beaucoup plus efficace contre les mobs bien tanky. Ok, maintenant faudrait que je m'occupe de ça. Et merde, y'a le boss. Oh oui, oui, oui! 9% de vitesse de déplacement, c'est exactement le genre de truc qu'il me fallait. Deux levels d'un coup là-dessus. Et du rayon de ramassage. Deux levels d'un coup là-dessus. C'est la run. La run! C'est tellement la run! Deux levels d'un coup là-dessus. Oui! Overclock en froid. Froid plus spirale. Comme ça, j'aurai une survivabilité de fou. Alors, faut faire en sorte de rentabiliser un max, récupérer le plus de jus possible. Voilà, exactement. Oh oui, du perçage. Perçage plus overclock. Les gars, c'est la run, je vous jure que c'est cette foutue run et pas une autre. Du perçage là-dessus. Salut un max avant de partir. Ok, j'ai presque grip, presque. Ok, deux levels d'un coup, overclock. Dégâts critiques, vitesse de rechargement, un légendaire d'armure. Allez, pour très très bien se comporter, je prends un légendaire d'armure. Vitesse de rechargement là-dessus, et là je peux plus rien prendre. Allez, Zawarudo, merci beaucoup pour les 10 mois d'abonnement. Les collègues, j'ai quelque chose de naturel et de pas scripté et de pas lu sur le deuxième écran à vous dire. Ça me vient du cœur, là, comme ça. Les collègues, je devais vous parler qu'il y a un nouveau jeu, 100% gratuit, free to play, qui va sortir le 9 juillet sur Steam. Ça s'appelle Onsuman. C'est un jeu de survie multijoueur dans un open world, dans un étrange futur post-apocalyptique. Moi, je vais y jouer et le découvrir avec vous le 11 juillet en stream à 20h. Rares sont les occasions où vous me verrez sur un jeu survival horror. Donc venez voir le stream le 11 juillet. En plus, il y aura les drops activés. Le jeu est gratuit et dispo sur Steam le 9 juillet au soir. Onsuman. Voilà les collègues, ça venait du cœur, c'était pas scripté. Je viens pas du tout de répéter quelque chose qui était sur mon deuxième écran. J'espère qu'on est tous d'accord avec ça. Zawarudo, merci beaucoup pour les 10 mois d'abonnement. Allez, c'est parti. Bon, il y a juste un mauvais point que j'ai oublié de vous dire. Je serai en stream avec Robalas. Mais venez quand même, s'il vous plaît. En plus, je streamerai avant. Ok, il faut aller récupérer ça. Wow, ça va pas? Alors, on récupère ça. As-tu des conseils pour passer une bonne nuit après des jeux d'horreur? Il faut ne pas dormir seul. Il faut un doudou.
ou un animal de compagnie. Ou un body pillow. Un body pillow de ton streamer préféré. Pourquoi pas Chap. Vitesse de rechargement. Voilà. Allez, on va passer par ici. J'ai bien récupéré la quête. Voilà. Il a pas coupé la perche. Putain, je suis trop con. Mais oui, 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 oui. J'ai d'excellents conseils pour bien dormir après des jeux d'horreur. Pourquoi pas un matelas Emma, par exemple. Point exclamation Emma dans le chat. Excuse-moi, je suis... Voilà. Parfois, ça monte un petit peu lentement là-haut. Bon, est-ce que je vais faire suffisamment mal pour m'en sortir de ça? Le problème, c'est même pas que je manque de dégâts, c'est qu'il y a tellement de mes balles qui partent dans le vent à cause de ce foutu biome. Parce qu'en soi, quand je peux taper, ça tape dur. Cadence de tir à tous les projectiles. Il me faut le dernier overclock là-dessus, fast. Là, il me faut double overclock level 18, ASAP. Sinon, c'est perdu, GG. En vrai, si j'avais pas l'artefact qui m'augmente mes dégâts en fonction de mes litrex, serait tellement loose, là. Je pourrais tellement pas... Ok, est-ce que j'ai enfin... un endroit par lequel passer? Ouais. Ok, faut que je récupère la balise de ravitaillement fast. Niveau ressources, je suis pas mal. Ok, avec ça, je serai bien. Allez, vite, vite, vite. En plus, le boss, il va pouvoir tout casser pour moi, normalement. Oh, il y a tellement de projectiles, c'est horrible. Alors, ça peut bien me carry. Ouais, faut avancer sur les overclock. Là, ce qui m'a vraiment mis en difficulté, c'est que je manque d'overclock level 3. C'est ce qu'il faut au plus vite, là. Allez, c'est une bonne run. Ok, oh mon dieu. Alors ça, en vrai, je vais prendre ça. Faut tellement souvent casser le décor ici. Double légendaire de vitesse de minage. C'est la run. Overclock level 3. C'est la run. On avance sur l'overclock. Et là aussi. Et ça part pour la prochaine, hein. Ok, faut que j'arrive à choper l'overclock du snipe au cours de cette run, idéalement. Bon, là, ça va piocher tellement vite, par contre, ça va être indécent. Faut récupérer un maximum de jus pour augmenter les dégâts. Ok, la quête, c'est déjà presque bon. Ce mec là il tank quand même, hein, il tank, hein. Ça manque d'un overclock de snipe. Et il me faut plus de nitrex. Oh oui, du crit, voilà ce qu'il me faut aussi. 9% de crit, ça va tout changer. 9% de crit, des dégâts en plus. Avec ça je peux me remettre quasi full. Là il y a des bonnes ressources. Oh mince, il y a un boss qui approche. Ok, full loot bug. Ok, ça va, je le frise, je le repousse.
Alors, est-ce que c'est un filon? Ça, nice, c'est un filon. Oh, je me suis fait tellement de ressources. Bon, ça manque de quelque chose pour vraiment vaporiser les unités tanky qui sont les boss. Genre un snipe level 3 par exemple. Enfin, overclock 3. Snipe s'il vous plaît. Bon, ça fait un overclock quand même, c'est bien. Après, en soi, si je lui mets ce qu'il mérite, il tombe assez vite. Hein. Y'a une balise par là. Oh, si j'ai les lunettes de crit là où la run est tellement win. Pitié, monsieur. En vrai, y'a plein de choses qui peuvent être bien, mais. Lunettes de crit, ça va être vraiment super. Ouh ! Oh, ça fait depuis hier qu'à chaque run, je prie pour les avoir. Enfin, je les ai. Alors là. Oh, je suis à 428% de dégâts critiques. 95% de crit. Ça te chill un coup là. Et au final le malus, bah quand t'es à 100% de crit, tu le subis même pas. Logique. Il y a un seul souci, mon personnage est lent. Dû à l'artefact qui augmente mes dégâts en fonction de mes Nitrex. Mais si je tue le boss tellement vite qu'il peut pas me charger, bien se passer, non? Bien se passer. Vitesse de minage. Toujours plus. J'ai combien? 91%. Allez, on leur montre. J'ai un montant de dégâts tellement absurde là. Je vais en profiter pour bien casser les décors avant qu'ils proquent. Oh, il y a des loot bugs ici. Ah non, j'ai mal vu. Vitesse de déplacement. Oui. En vrai, les 4%, ça va me mettre bien. Tuer le cuirassé. Oh nice, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Ok, ça va, tout pile assez pour éviter. Là, il va me vomir dessus. Faut juste pas courir en ligne droite quand il charge. Ok, ça va, je la prends pas. Oh non, il m'a stuck. Voilà, prends-toi ça. Je prends même le luxe de me remettre full vie. Voilà. Ouais, j'ai déjà fait du brotato. Il y a les rodifs sur la chaîne VOD. Si jamais tu veux. Je l'ai exterminé. En vrai, je lui ai mis cher, mais j'irai pas jusqu'à dire exterminé non plus. Je l'ai bien tombé, d'accord, mais je dirais pas exterminé. Pour l'exterminer, il faut le snipe overclock 3. Ah ah ah. Combien de portées de ramassage? Je sais pas, mais beaucoup. 337%. Oh! De la vitesse de déplacement, c'est exactement ce qu'il me faut. On avance sur l'overclock. Ça et ça, c'est cool. Des dégâts, c'est toujours bien. Du crit! Putain, j'ai eu 3 légendaires là-dessus au total, c'est indécent. On avance sur l'overclock. Et là aussi. Tant pis pour ça. On avance sur l'overclock. Et là aussi. Ça va, c'était un très très bon shop. Je suis bientôt overclock 3 là-dessus et là-dessus. Voilà, j'ai atteint les 100% crit. Bon, là, je pense que je peux me balader assez librement. Niveau move speed, je suis bien. Bon, après, je vais en perdre au fur et à mesure de l'étage, mais c'est pas grave. Tiens, ça fait longtemps, un petit... Goblin là. Stop chance de crit, non, tu es à 100%. Osef, dans ce jeu, l'overcrit marche. Du coup, c'est totalement rentable de prendre du crit par-dessus du crit. Même quand t'as 100%. Ça augmente considérablement tes dégâts. Du coup, bah, t'as jamais assez de coups critiques. Du coup, prends-en toujours plus.
En même temps, c'est normal, c'est tellement facile de monter à 100% de creep dans le jeu. S'il n'y avait pas ce système, ce serait dommage. Comment tu gagnes dans le jeu? Tu vas au bout des étages. Là, je suis au 6ème. Oh mon dieu! Un légendaire de cadence de tir sur toutes les armes à projectiles. Et j'ai que les armes à projectiles. En vrai, la ristourne de 20%, je pense que c'est worse. Le shop du jeu va encore proc pas mal de fois. Et acheter des améliorations, c'est ma meilleure manière de gagner de la puissance. Maintenant, gagner des levels, c'est beaucoup trop long. Horde en approche. 50% de dégâts sur ma meilleure arme! Allez, c'est parti! Faut que je récupère un maximum de ressources. Oh oui. Oh, je peux pas passer par là. Mais c'est pas grave, je suis tellement mal que ça me fait pas spécialement peur de me retrouver stuck. Voilà. On passe en fusil scié là. Sniper scié pour exploser les mobs tanky. Mais je veux récupérer un maximum de ressources avant de partir. J'ai la quête à finir d'ailleurs. Avec ça, je vais pouvoir finir la quête fast. Voilà. Oh, le fusil de sniper scié, il fait tellement mal. Ah ouais, la différence, elle est massive, hein. Alors, la capsule, c'est par là. Je vais récupérer un petit peu d'or en plus. Voilà. Et là, le seul truc qui peut me faire peur, je pense, c'est de manquer de mouvement de speed. Donc si j'en ai dans le shop, c'est parfait. Et j'ai largement les ressources pour en prendre. Allez! Est-ce que je prendrais pas de l'armure? Allez, j'avance sur l'overclock de cette arme. Armure pour être un bon garçon. Dégâts sur cette arme. Et ça avance sur son overclock aussi. Ou alors je fais ça et ça pour avancer sur l'overclock level 3. Non, vas-y, je fais ça. Je vais gris d'un coup là. Des dégâts en plus. Let's go de la mouvement speed! Mouvement speed, magnifique. Bah voilà, j'ai tout ce qu'il fallait. Maintenant faut avancer sur les overclocks des armes qui restent et on est bon, hein. Allez, il faut récupérer tout le jus. Là faut que... Je suis quoi? Je suis au 7ème étage. En vrai, je pense que je peux avoir toutes mes armes d'overclock en 3 si je fais les choses bien. Voilà, par exemple, je fais ça. J'ai combien d'armure là d'ailleurs? 38. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup dans le jeu. C'est dur d'avoir un gros montant d'armure dans le jeu. Ok, il y a le champignon ici. Ok, la quête c'est fait. Maintenant faut récupérer ça ici. Ouais, mon perso a un passif, plus de crit et plus de dégâts critiques. Ok, il y a la balise qui approche. Non, toujours pas. Allez, ça récupère des ressources pour le menu. Oh mon dieu! J'ai hâte d'avoir la spirale sur mon arme là.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de jus à récupérer? Ah, nice, j'avais peur que la map soit vide. Là, il y a plein d'or. C'est trop satisfaisant de récupérer des ressources dans le jeu, c'est addictif. Petit loot bug ici. Alors, la balise à la proc en haut à droite. Oh, tous les petits loot bugs. Donnez-moi le jus. Par contre, le jeu est galère, là. Je vous le dis, le jeu est galère. Hein. C'est pas ultra fluide sur mon PC. Mais ça vient vraiment du jeu, c'est pas le PC. Il doit y avoir des petits soucis d'optimisation. En même temps, c'est difficile de faire un survivor avec autant d'effets et autant de mobs aussi jolis, donc ça m'étonne pas. Avec ça, je vais pouvoir avoir un overcrit de zinzin. Ça, ça me fait crit, dégâts critiques, dégâts... Non, je vais prendre ça. Là, du coup, je suis à 138% de crit. Autant dire que là, l'overcrit que je suis capable de mettre, il est rigolo. Tiens, ça prend du dégât tout court. C'est vrai que je pourrais peut-être... Ouais, voilà. Je vais faire deux trucs qui m'emmerdent. Je vais retirer les tremblements de caméra. Je vois pas ce que ça apporte. Je trouve ça juste chiant pour rien. Et je vais retirer... afficher les valeurs de dégâts et même les vignettes de dégâts en fait. Voilà, ça va permettre de calmer le jeu en vidéo. Ouais, j'ai bien les bons trucs. Ouais, c'est bon. Ok, là ça devrait aller mieux et même pour moi ça sera plus agréable, ça sera beaucoup plus lisible. C'est la fin des chiffres de dégâts. On en a bien profité, mais il faut dire stop. Il faut dire stop, c'est la fin, c'est comme ça. Alors la balise, c'est par là. En vrai, je sens que ça va mieux. Après, juste avec le montant de projectiles, le jeu va galérer un peu, mais ça va le faire. Ouais, c'est tellement plus plaisant comme ça. Et retire le screen shake, je vais pas regretter de le faire aussi, c'est tellement chiant. Franchement, le screen shake, je sais pas ce que vous en pensez, mais peu importe le jeu, je trouve que c'est vraiment de la merde. J'aime pas. Je trouve ça... c'est nuisible. Peu importe le jeu, c'est juste chiant. Alors... cadence de tir, perçage, et je vais prendre la spirale mortelle. Cadence de tir et taille de chargeur. Et là, oh mon dieu, le rayon de ramassage de zinzin. Attends, crit, vitesse de déplacement. J'ai encore assez pour ça. Allez, je le prends. Juste parce que c'est rigolo. Regardez comme je suis rapide. Oh, les projectiles dans tous les sens. En plus, ça va freeze en AOE. Trop, trop fort. Faut que j'aille au bout de la quête maintenant. Attends, mais c'est un feu d'artifice, hein. C'est un feu d'artifice. C'est littéralement un feu d'artifice. Avec mon nain super rapide, là. Vitesse de rechargement là-dessus. Tiens, c'est quoi? Je vais passer l'arme en froid. Non, je vais augmenter la portée. Parce que très souvent, sinon, il sert à rien. Il peut même pas toucher les ennemis. Ils sont morts avant. Allez, avec ça, ça va finir la quête. Oh! Loot Goblin! Oh, tu vas voir ta gueule! Voilà. Allez, donne-moi ça. Vitesse de rechargement sur toutes les armes.
Allez, on va récupérer ça. Oh, j'ai oublié un petit peu. Petit loot bug ici. Oh, j'ai eu un aimant. Bon, je pense que ça va pas me ramener grand chose. J'ai tellement une portée de zinzin. Rayon de ramassage 470%. Tu joues encore sur console? Non, non. J'ai pu m'acheter un PC hier. Attends, le jeu il va crash là. Attends, mais le jeu va crash hein. Le jeu va crash, aucune vanne. Le jeu va crash. Non, j'ai pu m'acheter un PC hier grâce à votre soutien. Ça vient vraiment du jeu hein. Je retire l'oreillette. Mon PC ne fait pas un bruit, mais littéralement pas un bruit. Il ventile que dalle. Je crois que le jeu ne va pas tenir. Voilà. Allez, va pour le manuel du plongeur, c'est que du bon. Les gars, je crois que le boss, il est pas prêt. Hein. Je vous le dis, mais le boss, il est vraiment, vraiment pas prêt. Oh, le boss, il est trop mignon. Allez, on récupère ça. C'est en bas. Les collègues, je crois que c'est la run, hein. J'ai dû beaucoup échouer pour en arriver là. Mais là j'ai appris de toutes mes erreurs passées. Et c'est la run. C'est complètement la run. Est-ce que je crache à l'étage 10, il va hurler? Oui, je vais hurler. Effectivement, si ça arrive, je hurle. Deux secondes les collègues. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour bien scale? Du dégât critique, alors ça va scale comme pas possible maintenant. Des dégâts tout court, pourquoi pas. Dégâts des projectiles, j'ai que ça. Du crit! Overcrit au max. On avance sur l'overclock du pompe. Dégâts critiques encore. Et je vais garder ça pour améliorer des armes sur le prochain marchand. Merci beaucoup Curbon pour les 86 mois de tiers 2. Merci beaucoup monsieur. Comment marche l'overcrit en fait? Alors, bonne question. J'en ai pas la moindre foutue idée. Tout ce que je sais, c'est que ça marche. Et que quand j'en prends, je fais encore plus mal qu'avant. Comment c'est calculé? J'en ai pas la moindre idée. Allez voir sur un wiki, je sais pas. Bonne chance à tous. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça marche. Du coup, je le fais. Allez, hop. Oui, là... La stat de perçage fonctionne sur le plasma. Ce qui fait que c'est OP d'ailleurs. Faut vraiment faire attention aux explosions et c'est à peu près tout maintenant. Explosion et projectiles. J'en ai pas dépensé beaucoup, donc je vais faire extrêmement mal, mais je vais pas me déplacer très vite. Allez, je prends un reroll. Extrêmement déçu, GG. Ça reste un 10% de dégâts. Il faut plus d'or pour reroll les levels. Et obtenir le overclock 3 sur le pompe. Ok, il y a de l'or ici. Ouais, le rayon de ramassage, là, il est à 470%. C'est bien con.
Franchement, c'est l'une des runs les plus incroyables que j'ai faites. Voilà la run la plus incroyable que j'ai faite. En danger 4 en plus. Je suis en danger 4 et je les vaporise comme ça. Oh les gars. Les gars. Non, vous savez quoi? J'ai appris. J'ai grandi. J'ai 30 ans, mais j'ai 30 ans maintenant. Je suis un bon garçon. J'ai évolué. J'ai appris de mes erreurs. Attends, cadence de tir, elle est à combien? Il y a que 16%? Vas-y, je le prends. Ah, oh, la cadence de tir de Zinzin, regardez ça! Regardez comment je les explose! Attends, je vais choper le loot bug là, tu vas voir ta gueule toi! Vitesse de rechargement? Arme intermédiaire, j'ai que ça. C'est quoi, je vais prendre un petit peu d'HP, comme ça, ça compense. Comme ça, s'il faut encaisser une charge, je suis capable de le faire. Ok, il y a les jumeaux qui me tombent dessus, là. Ah, mais c'est juste ça, en fait. Ah, bah, tranquille. Bah, voilà, hein. Ok, maintenant faut rejoindre la capsule. Là, le top du top serait vraiment d'avoir un bon petit boost de mouvement de speed dans le shop. Oh non, non, non! Putain, c'est le dimanche! Le dimanche, ils sont sortis! C'est le retour de Cypher Girl! Il était là l'autre jour, là! À dire que des messages qui ont aucun sens! Et là, il pop de nulle part! Salut Alder, t'as pas envie d'être toi-même un peu? Avec 37 fautes! Oh non! Non, 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 il est de retour! Après sexe ferrailleux! Voilà, voilà quelqu'un d'autre qui a pris la relève. Alors, la cadence de tir là-dessus. Ce serait bien que j'augmente le fusil à pompe au max, là. Allez, cadence de tir au max, et voilà. Merde, j'ai rien pour le pompe, c'est pas grave, je prends ça. Et je prends ça. Et il y a ça pour le pompe. Putain, je peux plus reset, GG. Je vais garder de côté. Attends, j'arrive sur le 9ème étage là où je pourrais plus dépenser après. Je sais pas, dans le doute je dépense au max. Ok, j'arrive au 10. J'espère que je vais pouvoir overclock le pompe. Au pire, je vais reroll avec l'or. Reroll. Putain, j'ai rien sur le pompe, GG à tous. Des dégâts en plus. Aux elfes de la mouvement speed, il faut des dégâts. Voilà. Ça te chill un peu. Ok, avec ça, je vois de quoi bien reset mon prochain level. Et avoir l'overflow du pont, plein plein d'or. Provoquer les hits, voilà, je le provoque bien. Regarde ce que je fais à ses fils là. Regarde ce que je fais à ses fils là. Merci beaucoup triceps d'acier. Et paix de fouf pour les resubs. Merci beaucoup. Je sais pas ce que c'est le pseudo, c'est player de fouf.
sais pas, ça va être un jeu de foot ou quoi. Ok, là y'a la balise. Voilà, on va récupérer ça et ça. Attends, ça c'est les grosses ressources qu'il y a par là, faut que je la récupère aussi. Oh! Octroie un bonus de vitesse de déplacement quand vous restez temporairement immobile. Ça pourra peut-être me sauver ça plus tard pour mettre des petites feintes. Voilà. Ok, il y a plein de petits bugs, il faut tout récupérer. Du crit! Non, non, j'ai dit qu'il faut reset pour le pompe. Putain, il était temps. Ouais. Deux fois plus de plomb, GG. Oh là, là le jeu a un peu de mal, il y a beaucoup de projectiles. Tout va bien se passer. En vrai, j'espère que l'élite qui va pop, ce sera le gros boss et pas les deux. Comme ça, je pourrais vraiment faire un DPS check de zinzin. Bon bah, j'ai toutes les armes overclock au max. Overcrit de zinzin avec des crits à 473%. Tuer le cuirassé. Oh mon dieu, il est où? Oh, le cuirassé, il va prendre, vous avez pas idée. Hein. Don de Esta. Oh! 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 Voilà, c'était le boss final. Et maintenant, faut rentrer à la maison. Boss final en danger 4, hein. C'est vraiment pas rien. Bon, je sais même pas pourquoi je m'ennuie à gratter la run. De toute manière, là, c'est fini. Et youpla boum! À quand un retour sur Soulstone Survivor? Il y a des nouveaux persos. C'est vrai qu'il est sympathique ce jeu, hein, Soulstone Survivor. Il était bien lui aussi. Il avait un potentiel d'addiction sacrément élevé. Hein. Un très bon jeu. Alors, je vais récupérer ça. Rayon de ramassage, gain d'XP, c'est pas la bonne icône par contre. Mais t'as du rayon de ramassage en plus, c'est parfait. Oh, j'ai dû gagner full XP. Ok, j'ai cru que j'avais pris qu'un seul cœur de réacteur, mais ça va, j'en ai pris deux. Alors, amélioration. Qu'est-ce qu'on se prend, les collègues? Qu'est-ce qu'on se prend? Moi, je me dis qu'on pourrait peut-être prendre l'armure. Faut pas sous-estimer cette stat. Elle est extrêmement forte. Vous savez quoi? Je vais prendre de l'armure. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Je viens de gagner 10 d'armure. 10 d'armure. Ça veut dire que de base, là, mon personnage, il a quasiment un légendaire d'armure bonus. C'est énorme. Alors maintenant, je pense que c'est quoi ça? Ça, ça donne des ressources de base. Ça peut être cool aussi. Vitesse de rechargement et cadence de tir, c'est super cool aussi. 10 d'armure, c'est vraiment insane au tout début. Pour bien mettre en place leur lit, tout ça. Bozo Kaiserzoz, merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire là? Parce que c'était un peu le fil conducteur du stream là, de réussir cette maîtrise de biome. Maintenant, il faut se faire quelque chose d'autre. Mais il y a plein de modes de jeu, du coup, c'est pas grave, il y a de quoi faire. Puriste. Aucune amélioration méta. Aucun bonus de maîtrise. C'est mort. Aucun mouvement, c'est mort. Hardcore, c'est mort. Vous prenez des dégâts à chaque gain de niveau. Plus 100% de gain d'XP. En vrai, c'est rigolo, ça, non?
Je vais XP tellement vite. Vas-y, j'ai envie de flip ça. Alors, avec le scout. Attends, mais du coup, j'ai les bonus ou pas? Ouais, j'ai bien les bonus. Oh, en vrai, j'ai plein de bonus de régène et tout, bien se passer. Vous savez quoi? Putain de bonhomme, caverne cristalline, danger 5, ra. J'ai zombie, merci beaucoup pour les 6 mois. Foutu bonhomme. Putain de bonhomme.